Qu'est-ce que t'as? T'as pas chaud au franc-ton là? Quelqu'un me. Une question? Un conseil? Pas aller demander ça à quelqu'un d'autre? Ouais, non, c'est vrai qu'à ce con, t'es pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. Vas-y, pose ta question. Vas-y. Comment quitter ta copine? T'en séparer? Après, ça dépend, tu dis ta copine, tu vis avec ou pas? Tu vis avec? Le plus simple, hein, le plus pratique, c'est le pied jaloux. Voilà. Tu te lèves avant elle et tu mets le pied jaloux au pied du lit. Avec ça, t'es. Normalement, t'es tranquille, t'es débarrassé. T'es débarrassé, hein. Sinon, ouais, le poison. Le poison, ça peut aller aussi. Si elle se lève avant toi, voilà, tu. Comme ça, tu peux rester au lit d'ailleurs, et puis pendant qu'elle se fait son petit déj, voilà. Il y a un paquet de produits chimiques qui vont bien pour ça. Qu'est-ce que t'as? Tu veux pas qu'elle meure? Pourquoi? Enfin, je sais pas, je suis peut-être un peu con, mais là, ouais, je vois pas. T'as autant de conneries à dire sur elle et sur son droit de vivre. Eh mais c'est à elle que tu devrais faire que tu devrais dire ça, franchement. Ah mais à mon avis, ouais, si tu racontes tes histoires là de machin, de droit de vivre, de conneries là, de. Ah non mais si, mais tu sors ça, elle va se barrer, elle va te cracher à la gueule. Hein. Ah non, même pas. Ah ouais, tu as déjà dit à quel point t'étais con, et puis ouais, elle t'aime encore plus. Ah ouais, quand même, c'est une sacrée tâche, quoi. C'est une sacrée tâche. Ah, écoute, sinon tu peux la faire à la psychologue. Tu peux la faire à la psychologue. Alors si tu veux pas y faire de bobo, parce que oui, c'est une petite fille, c'est fragile, c'est quand ça fait moins d'1 m 80, on lui met pas un coup de bûche dans la gueule. Ouais, j'ai jamais compris ça, j'ai jamais compris. Une femme, c'est pas un PD non plus, je veux dire. Une vraie femme, ça doit pouvoir se battre avec un sanglier, c'est tout. Sinon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, sinon, hein? Sinon, c'est une limace ou un tas de morve. Faut pas décoller. Enfin, oui, bon, si tu veux faire comme ça, le mieux, voilà, c'est l'honnêteté. Donc, enfin, pas l'honnêteté tout à fait. Tu reportes, tu changes. C'est-à-dire que tu vas lui dire que le problème ne vient pas d'elle, qu'il vient de toi. Comme ça, elle. Enfin, je sais pas comment ça marche dans le cerveau de ces bestiaux-là, quoi. Mais bon, en gros, elle va se dire, ça va, moi, ça va. Il n'y a que lui qui a un problème, voilà. Donc alors, voilà, un petit exemple, voilà comment tu fais. Non, non, ma chérie, non, non, c'est. Le problème ne vient pas de toi, le problème ne vient pas de toi. Non, non, c'est moi, je. C'est moi, je peux vraiment plus supporter ta sale gueule, quoi. Ton odeur, tu pues, quoi. Ton corps, tes seins, ton cul, tout en toi me donne envie de m'ouvrir les veines. Non, franchement, je te hais, tout simplement. Le problème ne vient pas de toi, il vient de moi. En toute amitié, bisous. Voilà, tu fais ça, t'es tranquille. Tu fais ça, t'es tranquille. Elle est contente, et puis bah, toi, normalement, de toute façon, ouais, si tu te retrouves seul, tu seras content. Ouais, c'est pas compliqué non plus. C'est pas compliqué. T'as de ces questions, toi, franchement? Bah, le pied jaloux, ça marche, hein, tu devrais y penser, hein, tu devrais y penser. Ah si, si, sérieux, c'est bon, ça, c'est bon. Puis le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a plus beaucoup de loups, ils ont tendance à rouiller. Donc, il faut, tout ce qui est mécanique, il faut que ça marche. Il faut que ça fonctionne de temps en temps, hein, parce que sinon, ça grippe, et puis après, ça sert plus à rien. Hein. Donc voilà, ouais, bah, en même temps, c'est ce qu'il y a de plus proche du loup ou de l'ours, hein, la femme. Hein. C'est ce qu'il y a de plus proche. Hein. Bah, elle est souvent à quatre pattes, la machine, hein. Pas déconner, hein. Bah, que ce soit pour astiquer ou pour se faire huler, hein. Bah si, attends. Con, celui-là.